Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Donc voilà, un haul. Et oui, je sais, on se retrouve 5 mois après je crois, mais pour plusieurs raisons. Donc voilà. Et aussi je fais ce haul toute seule parce que bah mon frère n'avait pas envie parce que il y a un petit cousin chez nous, du coup bah il profite. Et aussi mais juste c'est beau, on doit acheter des pantalons, des t-shirts, voilà. Parce, enfin des pantacours parce que demain il part en colo. Enfin là le jour où je tourne il est... On est le 6 juillet. Et demain il part en colo. Du coup il avait besoin de vêtements. Et moi aussi j'avais besoin de vêtements pour ma colo. Car moi je pars le 12. Donc je pars un jeudi. Voilà. Mais ça je vous en parle à la fin. Donc on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc j'ai tout mis par terre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est parti. Donc là c'est un départ. Donc c'est un débardeur. Voilà, avec des flamants roses. Voilà. Et donc dedans, il y aura beaucoup de débardeurs. Parce que j'aime beaucoup ça. Il y a, surtout à épais comme ça, et tous mes débardeurs viennent de Chicago, donc voilà. Débardeurs avec des flammes roses, je sais pas dans l'ordre du tout. Hein. Donc là, on a un petit polo comme ceci avec des petits nœuds. Voilà, on a un débardeur évidemment en gris. C'est tous les mêmes mais c'est pas la même couleur parce que je sais pas si je suis assez haute en fait, sinon je me monte. Non, je vais rester comme ça, vous allez pas voir. Voilà, encore un débardeur gris, donc c'est le même, hein. Ensuite on a c'est vraiment pas dans l'ordre en fait, une robe grise comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, avec des ceintures, donc je la trouve vraiment très belle. Désolée pour le bruit. Je la trouve vraiment très belle. Ouais. Ensuite, on a encore une robe. À rayures, cette fois. Donc pareil. Je l'aime trop. Et alors ça s'attache autour du cou comme ça. Ensuite j'ai encore un débardeur, donc pareil, c'est les mêmes débardeurs à chaque fois. Moi je préfère épais, en plus des fois j'ai mes zones sous mes chemises, du coup voilà. Ensuite on a encore un débardeur, mais cette fois fin, et j'ai jamais encore testé cette couleur parce que le jaune j'en porte pas trop, donc voilà. Mais en fait quand je le touche c'est super agréable, genre c'est vraiment agréable. Puis ce qui est bien c'est que là-haut là c'est bien fait, enfin c'est bien fini. Ouais. Ouais. Je sais le jaune, écoutez. Ensuite, donc c'est pas du tout dans l'ordre, je suis désolée. Ah, oui, ok. Donc là on a, ça vient, c'est pas... Donc là ça vient de Bonprix, c'est sur un site. Ouais, c'est un t-shirt derrière comme ceci. Bleu, je sais pas si vous allez voir. Avec des froufrous. Et sur les côtés, en haut, sur l'épaule en fait. Donc l'épaule, le préservatif sont comme ça. Voilà. Ok, voilà. Hop. Ensuite, on a... Et aussi, désolé pour le bruit derrière, mais en fait, c'est mon ventilateur parce que il fait chaud, donc voilà. Il fait super chaud. Ensuite, on a encore un débardeur. Jaune moutarde. Donc, je sais pas comment il va ressortir avec. Oui, il ressort un peu, enfin, bizarre. Attendez, il y a mes éclairages. Voilà. Vous verrez mieux. Je me tarde. Ensuite, on a encore un débardeur, évidemment. Rouge. Rouge. Ouais, rouge-orange. Vous verrez sur le côté rouge, mais il est rouge-orangé en fait. Ensuite, on a encore un débardeur avec celui-là. C'est le même, juste comme ça. Je le porte actuellement. Ensuite, on a encore un débardeur. Pareil, rose. Il ressort très rose. Il ressort rose fuchsia d'ailleurs. On va baisser les éclairages. Ouais. Donc voilà. Ensuite, j'ai encore un débardeur. Encore deux débardeurs.
Encore un débardeur, donc pareil, avec des petits chats. Voilà. Encore un débardeur, donc ça c'est le même que tout à l'heure, que je vais vous montrer. Ensuite, ça vient de Blueprint. En fait, c'est les gilets pour les plages, genre avec des petits motifs. Donc en fait, c'est très, enfin, les manches c'est très évasé, mais c'est pour la plage. Voilà. Ensuite, j'avais encore bien des débardeurs, décidément. Encore des débardeurs avec cette fois des petites fleurs comme ça. Voilà. Encore un débardeur. Et c'est, je crois, c'est le dernier. Ne vous inquiétez pas. Blanc, tout simple, blanc. Ensuite, on a une chemise Vichy, marure. Voilà. J'aime trop les chemises. Encore un truc de bon prix. Ça, c'est le dernier truc de bon prix, je crois. Oui, c'est ça. C'est un t-shirt blanc, noir. Avec... En fait, sur les côtés, jusqu'à là, c'est ouvert. Et j'aime trop, c'est trop beau. Ensuite, encore une chemise. J'ai encore une chemise à carreaux cette fois. Voilà. Ensuite, on passe au. Il y a encore un débardeur, j'ai oublié. Donc, ça, c'est le même que jaune en fait, mais en gris. Voilà. Et je crois que c'est bon, cette fois, c'est bon pour les débardeurs. Il en reste deux des débardeurs. Non, même trois. Voilà. Alors. Après, on a fini avec les débardeurs. Donc, encore un débardeur comme ceci. Avec des petits fruits. Je sais pas trop ce que c'est, mais. Voilà. Ensuite, on en a encore un gris. Donc, je vais pas vous le remontrer. Hein. Et enfin, un noir. Voilà. Donc, basique. Pour les débardeurs, on a fini. Ensuite, j'ai encore une robe. Tiens, je vais vous la montrer. Un rayure également. Et en haut, il y a de la broderie. Et j'aime trop. Voilà. Maintenant, on va passer encore une robe. Et je mets aussi beaucoup de robes. Oula, désolé si ça a bougé. Hop, encore une robe, donc cette fois bleu marine. Voilà. Maintenant, on passe vraiment au jean. Donc, j'ai un short. Comme ça. Voilà. Ensuite j'ai une salopette. Un short. Hop, voilà. Et les bretelles, c'est la petite. Voilà. Ensuite, j'ai. Donc là, ça va être les deux mêmes. Un pantalon comme ça. Donc c'est pas, en fait, c'est pas court, mais alors ils arrivent avant la cheville. Donc voilà. Avec le bout comme ça. Là. Et à la place d'une fermeture, 4 boutons. Et il est vraiment, c'est super beau. Et j'ai encore le même en bleu clair. Voilà. Il devrait être mieux. Voilà. Ah oui, c'est un petit short rose que je porte en ce moment. Voilà, un short rose. Voilà. Je pense que vous l'avez. Et maintenant, on va passer avec les vêtements. On a fini. Je sais pas si j'ai été trop vite ou pas, d'habitude. Mais j'ai fini avec les vêtements. Donc, on va passer aux accessoires. Donc, déjà, je me suis acheté un truc en bois. Avec marqué j'adore dessus. Et j'aime trop les trucs comme ça. Alors je voulais. Il est rose. Donc on peut l'accrocher au mur. Et moi je vais le poser comme ça sur ma coiffeuse. Voilà, j'adore. Ensuite. Alors. À Claire's. Donc je suis passée à Claire's hier. Et en fait c'était 3 achetés. 3 gratuits, je crois. Donc j'ai 5 trucs parce que le dernier truc c'est mon frère, il y a après un truc. Donc j'ai choisi un
Excusez-moi pour le bruit. Je n'ai pas fait exprès, évidemment. Donc, un verre comme ça. Voilà, l'icône. Avec la paille, du coup. Et dedans, il y avait... Donc, deux petites boules de bain. Désolé, c'est en grande. Petite boule de bain. Avec une fleur de douche. Voilà. Et j'ai déjà bu dedans. J'ai dû rincer parce que ça sentait le savon. En fait. Ensuite, toujours à Claire's. Toujours à Claire's. Hop. Donc, un collier comme ceci de Wim. Voilà. Collier de Wim. Et je le trouve tellement beau. Il est vraiment très beau. Voilà. Ensuite, des créoles. Voilà. Un collier ras du cou que vous voyez juste là. Et avec le collier ras du cou, il y avait ça. C'est une chaînette aussi. Une chaînette. Également à Claire's, une nouvelle coque pour mon téléphone. Parce que je sais pas s'il y en a qui savent, mais je suis fan de coque. Donc voilà le motif. Et c'est normal, les tâches noires, c'est ma vraie, mais j'aime trop. Et en fait, elle est en deux parties. Donc je l'ouvre. Voilà, vous mettez d'abord ça et après vous mettez ça. Mais j'aime trop, elle est grave belle. Voilà. Ensuite, à Thibaut, il se prend quelque chose, un truc clair également. Ah oui, me suis acheté, en fait, normalement, moi, je porte des lunettes de vue. Enfin, c'était des lunettes de vue d'ailleurs. Et en fait, mes lunettes de soleil, c'était des lunettes de vue solaire. Mais du coup, je me suis pris quand même une paire à Claire's, pas solaire, mais juste pas pour porter longtemps, je vais vous montrer. Voilà. Moi, je les aime bien. Je les aime beaucoup. Puis, j'aime trop, j'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien, mais c'est pas ma vue. Hein. Donc voilà, ensuite... Yves Rocher, on est passé à Yves Rocher avec mes parents et mon frère. Donc il y avait des trucs en bas, mais c'est pas pour moi plus tard. Alors déjà, j'ai un parfum au fruit de la passion. Je vais vous montrer tout de suite. Ils sont trop beaux. Je vais garder pour ma colo. Voilà. Voilà. Ils sont vraiment très bons. Ils viennent juste de sortir, apparemment. Hop, et pour aller avec ma colo, en fait j'ai deux petits savons comme ça, mais en fait c'est du gel douche concentré, concentré, et ça veut dire qu'en fait ça fait l'équivalent des grands là, 14 litres, et ça ça fait 40 douches, une goutte 40 douches, donc voilà, j'en ai un au mon oeil et un à la mangue. Si ça fait 40 douches, moi je pense pas finir les deux, mais c'est pas, je prends les deux quand même. Voilà. Ah oui, ensuite, c'est pas fini, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai des trucs qui cassent. Donc, je me suis pris un petit sac comme ceci, en cuir, voilà, noir. J'avais choix entre jaune, bleu et noir. Et je l'ai pris en noir et avec un petit, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté avec mes débardeurs à Kiabi, voilà. Donc, je trouve beau. Plus demain je vais plus pour des sorties tout ça, c'est bien, voilà. Et je crois qu'il reste trois choses, après j'ai fini, je vous rassure. Ah oui, il reste trois choses, après des bougies, donc ça vient d'Ikea. Alors j'en ai une verte, voilà, à la pomme, ça sent trop bon. Une orange, ouf, à la pêche et fruit de la passion. Et enfin, une blanche toute simple à la glace vanille. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fini ce haul. Ah non, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Voilà, je me suis pris une chaînette pour la cheville. Voilà. Donc, avec des petites étoiles. Voilà. Je me suis pris une chaînette pour la cheville. Je l'avais tout à l'heure, mais du coup, je l'ai enlevée pour vous la montrer. Voilà. Je vais la remettre tout à l'heure. Voilà. Cette fois, c'est bon, elle est terminée. J'espère que cela vous a plu. Ah oui. Donc, alors, en parlant des colos, je voulais vous en parler. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je pars le 12 juillet en colonie. Je pars au Canada et aux États-Unis. Donc, voilà.
Et est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo en montrant ce que j'emporte, tout ça, dans mon dans le sac, enfin dans mes sacs, quoi. Voilà. En fait, je vais faire un one trip Canada et ça, voilà. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça, vous avez marqué. Bref. Donc oui, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus? Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez. Et Thibaut lui part demain à l'école des Jedi, l'école de Star Wars. Mais je pense pas vous vloguer parce qu'il y a mon petit cousin encore et du coup bah il a pas le droit de sur YouTube du coup bah. Voilà. Mais moi, ah oui, j'ai plusieurs choses à vous dire déjà. Donc j'ai déjà dit Canada. Est-ce que je vais essayer peut-être de faire des vlogs là-bas? Je vais essayer de faire des vlogs, hein, c'est pas sûr, mais comme c'est écolo, je vais essayer. Je vais essayer si j'ai le temps. Voilà. Ah oui, est-ce que si vous voulez, parce qu'il y a une semaine, c'est passé mon anniversaire. Est-ce que vous voulez une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire? Si vous me dites oui, c'est, je la fais, mais c'est pas pour me vanter. Parce que j'ai eu, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses. Du coup, bah, dites oui ou non. Et je prendrai la majorité. Bref. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette fois, elle est vraiment terminée. J'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai encore parlé trop vite comme d'hab ou je sais pas. Bref, je ferai ça au montage. Et donc voilà, je vous fais une très gros bisous pour la prochaine vidéo. Bye!